Voici le guide complet des défis Metallica sur Fortnite Festival. Donc, le premier défi va vous demander de faire de l'impro avec au moins deux joueurs. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir choisir le mode scène d'impro de Fortnite Festival. Donc, pour le trouver ce mode, c'est très simple. Vous allez dans les modes de jeu créés par Epic. Ensuite, vous allez tout à droite et là, normalement, vous avez la scène Festival, scène d'impro. Donc, vous sélectionnez ce mode de jeu. Ensuite, quand vous l'avez sélectionné, vous lancez le jeu tout simplement. Quand vous arrivez dans la map, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire une impro musicale avec au moins deux joueurs. Donc, pour faire une impro musicale, vous allez devoir vous rendre dans les ronds invisibles que vous voyez tout autour. Là. Par exemple, si je vais à l'extérieur du rond, je ne peux pas faire d'impro. Donc, il faut vraiment aller dans un rond lumineux. Et il faut que dans ce rond-là, il y ait au moins deux joueurs pour faire votre impro musicale et valider le défi. Donc là, vous utilisez votre roue des émotes, vous sélectionnez l'instrument que vous voulez jouer et vous choisissez la musique que vous voulez. Ensuite, vous la sélectionnez et là, vous allez devoir faire une impro musicale avec au moins deux joueurs pendant 60 secondes. Dès que ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de faire de l'impro sur le toit de Lotus Lounge. Donc pour réaliser ce défi, quand vous êtes dans la map, vous allez devoir aller sur la gauche. Là, vous allez avoir le bâtiment Lotus Lounge. Ce que vous allez devoir faire, c'est de monter sur ce toit. Donc pour y monter, vous passez vers la gauche. Là, vous sautez, vous arrivez sur la terrasse. Et là, vous allez devoir sauter sur le parasol qui est juste ici. Donc ensuite, vous vous mettez sur le toit où je suis exactement. Et vous essayez de faire une improvisation musicale, donc, comme je suis en train de faire. Mettez-vous bien sur le toit. Il faut vraiment se mettre à l'emplacement où je suis. Parce que si vous le faites par exemple, je sais pas moi, ici, bah là ça ne fonctionnera pas, ça ne validera pas pour le défi. Ce que vous allez devoir faire pour le terminer ce défi, c'est de faire une impro musicale sur le toit de Lotus Lounge pendant 120 secondes. Dès que ce sera fait, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de faire de l'impro à Farmer Market au rez-de-chaussée de Megaplex. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre sur la droite à Megaplex. Et là, vous allez devoir vous rendre au rez-de-chaussée. Donc, très important, ne montez pas dans le Megaplex parce que ce n'est pas le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, il se trouve juste à gauche, juste ici. Et là, vous allez devoir sauter cette barrière et l'escalader pour arriver sur le market. Le Farmer Market. Donc là, vous entrez dans ce market. Et là, vous allez devoir faire une impro musicale pendant un total de 120 secondes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'improviser dans les égouts sous les escaliers de Sound Foundry. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans le bâtiment qui est juste en face, donc le Sound Foundry. Mais vous allez devoir passer sous les escaliers. Donc vous passez par ici. Là, vous allez voir qu'il y a une entrée vers les égouts. Donc vous entrez par ici, vous allez sur votre gauche. Et là, vous allez arriver dans les égouts. Ce que vous allez devoir faire, c'est d'aller dans l'eau et faire une impro pendant un total de 120 secondes pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code créateur SCS.